Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la playroom sur l'épisode 2 et les Dangerous Horizons. Donc nous sommes sur une planète, la Layawala, Yaya, Layawawal, bureau D2, donc D2 pardon simplement. On est en train de descendre, de glide. Et durant cette descente, j'aimerais profiter de ma vision entre guillemets via... Est-ce que j'ai toujours mon VRS du coup? Ah merde, il est détruit! Je ne peux donc plus descendre du tout. Ah! Intéressant. Bon bah on va changer d'étoile alors. Dommage, la planète était géniale. C'est con. On va aller à Main Jalara. Oh, je la sens bien celle-là. Oh, je la sens bien celle-là. Hop, et en plus elle est juste au-dessus, c'est parfait. Hop, on y file. On verra bien ce qu'on y trouve. Voilà, vous l'attendiez, je suis sûr. Je me préparais. Donc ouais, c'est vraiment la session où j'ai pas eu trop le temps de tourner aujourd'hui à cause de ma connexion moisie qui a mis une demi-heure. Enfin non, une demi-heure. C'est l'expression qui a mis, je crois, 3h30 à se faire. Je téléchargeais à une vitesse complètement moisie. Ah bah y'a. Ah, attendez. Attendez. Est-ce qu'il y a une station seulement ? Frémont. Mais rien d'autre. Il y a rien d'autre. Ulurès. Ah, ça dépasse les limites de carburant. Raijin. C'est parti. On y va. On va peut-être faire un petit coup d'espace. Je vais pas avoir le temps. Si ? Ah ! Dommage. Absolument dommage. Bon, alors. On peut pas détecter pendant le truc, c'est dommage, ça aurait été intéressant aussi. Ah, attention ! Il y a deux soleils déjà. Il y a deux étoiles. Il y a que deux étoiles. D'accord. Voilà une planète intéressante, Nemerport. On va quand même aller à la Bryan Gateway. Et ensuite on se posera sur le port le plus proche en fait, tout simplement. On y va. Bryant. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Ou excusez-vous, hein, je sais pas. Alors. J'espère que tout se passe bien pour vous. Moi, je suis pas encore parti en vacances, hein, encore une fois, comme je l'ai dit dans le précédent épisode. Nous sommes actuellement le 22, je crois. Le 22 décembre, voilà. J'avais 7 vidéos à tourner aujourd'hui. Voici ma 4e, si je ne me trompe pas. J'essaierai de tourner une Robocraft aussi avant d'aller me coucher, mais ça va être compliqué. Peut-être que je pourrais faire Robocraft et Star Wars. Si Star Wars ne plante pas. Je ne sais pas quoi faire avec Star Wars, vous savez tout ce qu'il plante chez moi. Apparemment dû au système vidéo, hein. Le fait que j'enregistre en fait est repéré comme un système de cheat. J'ai envoyé un mail au support du jeu, plutôt que au développeur directement. J'ai pas de réponse. J'ai les boules, j'ai peur qu'ils vont me faire chier vis-à-vis de mes vidéos, j'espère pas. Alors. Prenez vos mails en même temps, c'est cool. Bah, vous dites des choses intéressantes des fois. Attendez, c'est à 58 000. Ah bah non. J'avais pas percuté. Alors là, vous devez me rager dans les commentaires, c'est génial. On va aller à Babao. Non, c'est pas bien. J'aime pas le nom. Vu Kuapa. Kebenenji. Ça c'est bon ça. Oh mince. Tu me pètes mon délire là. Babao. Un Babao Rum. Mais miam, je parle du baba, pas du rhum. Hein.
Buvez avec modération, les gens. Pas comme moi. Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Quoi, c'est que 6 bouteilles par jour, c'est rien. Ça représente rien dans l'univers. Bon, on arrête les conneries, on est dans l'univers, justement. Alors. Hop, déjà, mettons-nous dans l'ambiance. Ok. Fuck Market. On va aller à Fuck Market. Hop, on va aller acheter un nouveau VRS, hein, SRV. VRS. Parce qu'il faut l'acheter absolument. Ok. Ça va pas être trop long normalement. Oula. Hop. Pas grande nouveauté, hein. J'ai pas trop de choses à vous dire en ce moment sur les jeux qui vont sortir et les jeux qui sortent. Si, il va y avoir The ABC Murders qui va arriver sur la chaîne prochainement. Hop. Mais je sais pas quoi vous dire de plus en fait. Hein. Faut vraiment. Le plus gros problème que j'ai actuellement sur la chaîne, c'est Star Wars. J'arrive pas à finir mes vidéos, vous avez tous remarqué. Hein. Au départ, je trouvais ça drôle. Je sais que certains d'entre vous trouvent ça drôle aussi. Hein. Mais bon, personnellement, je trouve pas ça drôle du tout. Donc je sais pas quoi faire. Est-ce que je la remplace par un Robocraft? Je sais pas. Peut-être. C'est peut-être ce que je vais faire. Ça vous fera deux Robocraft. Par contre, j'ai des cycles de 3 jours de vidéo, donc ça fait 3 Fallout, 2 Robocraft. Donc prof 3-9, normalement 3 Fallout, 2 Robocraft. 2 Starbound, un Elite Dangerous, et on a quoi d'autre en ce moment? Oui, alors, la vidéo, les vidéos Wildstar. Oula, non, je me trompe de sens. Pas de suicide! Pas de suicide! Hop! Aucun crime détecté, ah bon? Ah non, pas dans la zone, effectivement. Peut-être falloir qu'on se mette à faire des missions de second maître, enfin de rang, entre guillemets, chez l'Empire. La Fédération, pardon. C'est pas les mêmes. Merde. Alors. Ok. Douceur, merci. Hop. Alors. Le plein ravitaillé. Attendez, est-ce qu'en ravitaillement il a inclus un. Ah, il a inclus un scarabée. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Et en vaisseau, qu'est-ce qu'il nous propose? Salwinder, Taylor, ASP Scout, ASP Explorer. Il m'intéresse, chers amis. Je pense que ça pourrait être fun de faire de l'explo. Ouais, ok. Enfin bon, on a déjà dépensé suffisamment dans un vaisseau. Ok. Il n'y a pas une zone de conflit quelque part dans le coin. Capoya, Lugul. Lugul, c'est un nom sympa. On va se faire une zone de conflit. Dans Lugul. Vous connaissez tous Lugul, bien sûr. Mais si, Lugul, le mec à lunettes. Vous savez, celui qui a des boutons sur la gueule, on dirait une calculette. Je crois qu'il y en a qui vont me haïr après ça. Non, Solaire garde pas les bonnes vidéos comme Elite Dangerous. Oh, je rigole, je rigole, je rigole. Bon. Je peux décoller, s'il vous plaît. Merci.
Hop, je glisse. J'ai trop glissé. Pousse dans l'autre sens. Pousse. Pousse. C'est parfait. Hop, les... La peinture. Fais gaffe à la peinture. Boum, pleine puissance. Boum, pleine puissance. Hop. Il va être bon d'ici 3, 2, 1, c'est bon. Raté. Ah bah c'était bon là. Bon, on y va. Lugul. On va faire un petit combat dans Lugul. On va pénétrer dans Lugul et on va y décharger nos armes. Voilà. S'il n'y avait pas assez d'allusions bizarres dans cet épisode, vous en avez maintenant suffisamment. C'est parti. Alors. C'est bête qu'on puisse pas plus améliorer le scarab. J'aimerais bien un scarab plus balèze avec des tourelles et tout. Enfin, plus que notre tourelle à nous. Je trouve jusque là que la tourelle, elle est pas... C'est pas extrêmement pratique. Soyons honnêtes. Bon, Lugul, qu'est-ce que t'as dans le coin? Oh, mais t'as des trucs sympas. Yamazaki! Yamazaki! Bon, volons dans l'espace. Cherchons des emmerdes. Lugul 3, non. On peut plutôt se diriger vers Lugul 2A. Et Lugul 2. Et on verra bien ce qu'on va y trouver sur la route. Ok, elles sont là. Ah, je viens de lancer un dissipateur thermique. Seriously? Une nouvelle cible. Ah bon? Alors. Alors, alors. Épave récupérable. Peut-être y avoir des gens là-dessus. Être cool. Voilà, 180 SL. Sérieux? Si loin que ça? Signal faible, ça m'intéresse pas. Voilà, on la rate. Allez, pilote. Pilote comme il faut. C'est bien. Allez, t'es où? Ramène-toi! Ramène ton popotin! C'est bon, je te vois. Ok, on y est. En douceur. Tout doucement. Trois cibles perdues. Est-ce qu'il y aura un piège là-dedans? Non. Il y aura personne. Je sais pas à quoi ça correspond, une épave récupérable, j'en ai jamais fait. Plus vite que ça, bordel. Alors. Attention. 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 C'est bon. Wouah. Ah oui, tu parles d'une épave. Maudit gland. SP Explorer. Qui es-tu? Que fais-tu? J'ai besoin de savoir qui es-tu, trou du cul. Centrale, Centrale 6 Sauveteur 1, suis sur site. Un coup pour rien, reste pas, mais qui vivent dans les parages, j'en ai bien peur. Rescue 1. Waouh, il est sublime. T'es sûr que ton clavier et ton casier est entièrement vierge? Ok, allons voir. Ouais. Et du coup, les trucs là, elles sont illégales. Dommage. Pardon. Je m'en vais. Excuse-moi. Excuse-toi. Frameship drive charged.
Excuse-toi, excuse-toi, excuse-toi. Je me suis permis de te scanner comme ça, à tout hasard. Rescue One. Si ça, c'était pas magnifique. Oh, la gueule. Alors, la suite. Moi, j'ai envie d'aller par là. Non, par là. Oh, la lumière. La lumière. Tout, mais pas la lumière. Bon, qu'est-ce qu'on a? Oh, source de signal non identifié. Je l'ai vu. Je l'ai vu le premier, chers amis. Rien à foutre. On y roule, ma poule. Oh putain. C'est parti, ça va chier, des bulles carrées. Oui, on y est presque. On y est presque. Comment ça, freiner? Je freine? Oh nom de Dieu, on a raté. Monte, allez, redresse, redresse. C'est bon, on l'a. Oh putain. Je crois qu'on l'aurait jamais. J'ai cru qu'on l'aurait jamais. J'ai cru qu'on l'aurait jamais. Pardon. Bah alors. On pourrait gagner du temps, s'il vous plaît. J'ai envie de me battre. J'ai envie de... Faites que ce soit pas un des putains de trucs où il y a que des vaisseaux fédéraux... Enfin, que des vaisseaux funéraux, plutôt. Si on peut dire funéraux. De type de vaisseaux de funérailles, on va dire. Des vaisseaux corbillards. Attention. Hop, c'est bon. Pinage! Non, pas pinage. Paul B. Simpson. Recherché. Ah bon? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es recherché, l'ami? Ok. Pas laisser passer un magot pareil, t'es sûr? J'ai pas attaqué encore. Paul B. Simpson, je vais t'offrir. Ah, à mon avis. Boost! Ok, toi t'es rien. L'autre, cependant, est un peu plus intéressant. Yo! Devine quoi? Ta vie s'arrête ici! T'es sérieux? T'es sérieux, là? Tu m'attaques le premier, en plus. T'es complètement débile? Bim! Voilà! Target destroyed! Bon, next! Hein, parce que bon, soyons honnêtes. Ça, c'était vraiment qu'une petite frappe. Voilà, c'est dit. Rien à foutre. Rien à foutre. On est strictement rien à foutre. Rien du tout. Que dalle. Alors, next. Vous avez la gerbe, c'est bon? Bon, bah cool, on y va. Bra. Alors, qui a les filles? Ah, là, il y a quelque chose. Pas, et pas récupérable. Bah non, ça m'intéresse pas. Y a rien dans le coin, y a pas un petit combat? Un petit combat dans rien du tout? Vous avez rien de plus à me proposer? Oh. C'est nul. Balise de navigation. Il va bien y avoir un ou deux vaisseaux un peu méchants dans le coin. Non? T'aimes pas? Oula, décélérer, comment ça décélérer? Non, c'est faux, j'ai pas besoin de décélérer. C'est vraiment faux. Vous allez vous calmer? Non mais oh. C'est quoi ce bordel? Une nouvelle cible? Oh. Je prends. Ah bah elle est derrière. Ah bah merde. Merde. T'es où?
t'es là. C'est comme dans Fallout. Te voilà. Ah, il y en a deux. Oh non. Oh, le dilemme. Le cruel dilemme. C'est pas grave. On y va. Je te choisis. Source de signal non identifié. Ça, c'est un nom de Pokémon génial. Il y en a un qui s'appelle tout en tout à fait et l'autre tout en café. Bon. Et pourtant, il est pas en café. J'ai vérifié. Café, c'est amer. C'est pas dur. Enfin, c'est pas métallique. Commence à décélérer. Non, c'est parfait. Je suis bien là où je suis. Oh putain. Si je la loupe, c'est ta faute. Tout en café. Et... c'est bon. Bon. Est-ce qu'il y a plus gros qu'un maudit Sidewinder? T'es quoi toi? T'es quoi toi? Type 9 lourd, il sera pas vilain. Je recherche des composants, achat en gros, compensation en conséquence. Ah bah non. C'est pas du tout intéressant, toi. J'aurais dû choisir l'autre au final. Merde, Cody. Alors, on reprend. Et il n'y a plus l'autre, fait chier. Bon. Balise de navigation, on va bien aller voir. Hein. Ça ne me dérange pas, je veux bien aller voir. Hop. Alors. Source de signal. Ah bah voilà, source de signal forte, moi. Peut-être qu'on se prépare à fuir hein, dans ce cas-là. Ouais, dissipateur thermique, non, surtout pas. Paillette, c'est déjà un peu mieux, ouais. Maintenant, ça c'est les détecteurs. Déjà, on y va. Dissipateur. Paillette, voilà. Exactement ce que je veux. Je veux être sûr. Alors. Croyez qu'on va s'en prendre plein la poire? Ouais. Croyez qu'on va leur en mettre un petit peu dans la gueule? Ouais. Croyez qu'on va gagner? Ouais. C'est parti, mon kiki. Bien sûr, je parle de kiki dans... dans comment? Dans les chevaliers du Zodiac, hein. On est d'accord. Je parle pas de la possibilité d'avoir un ressort de 2 cm de long entre les cuisses, tout comme vous, hein. Je ne fais pas dans les 2 cm. La pince à épiler, certes, mais pas les 2 cm. Bon, bref, on va arrêter les conneries, on y va. Hop. Allez, plus vite que ça. Mais oui, je vais décélérer, t'inquiète pas. Et une bonne fois pour toutes! Alors, salut les filles, oh putain de merde! Bon, il y aura rien. Vas-y, vierge. Cette déception sur la fin. Vas-y, vierge. Rechercher. Ah bon? Quasi vierge. Vous êtes sommé de vous arrêter. Et toi? Shebat Kerion. Tu portes un super nom en tout cas. Et toi, l'eagle là de pacotille. Excuse-moi, je vais essayer d'éviter de te rentrer dedans, mon pote. Tu m'intéresses pas. Prime de 100 000 crédits, tu sais. Tu vaux de l'argent. Tu vaux beaucoup d'argent. Cependant, je vais devoir buter ton FSD pour être sûr que tu ne t'enfuis pas. Mais tu es recherché, mon pote. Hein. Oh la vache.
Hop. Ok. On va passer un petit peu. Ok. Hop. Non. Non. C'est bon. Je l'ai. Bah alors, monsieur le criminel. Bah alors, monsieur le criminel. Et ben voilà, chers amis. C'est sur ça qu'on va clôturer l'épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom dont vous pouvez trouver les liens dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.